Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre édition de Analyse. À ce soir, nous pourrons causer avec le commissionneur Jean Mondestime, qui est représenté la communauté haïtienne dans la Carnegie Commission, premier haïtien qui est élu dans le poste de ça, et qui pourra le faire un petit avec nous sur, bien sûr, contribution pâle dans la commission, mais aussi, surtout, en regard sur Haïti, dans quatre grands volets que nous avons ouvert ici à Haïti Reconstruction. Donc, on a que Haïtien qui est élu à l'extérieur, même s'il y a des services zone côté qui est élu, mais tout le monde regarde ce qu'a fait sur Haïti. Et c'est même logique là tout pour le commissionnaire Jean Mondestime, que nous saluons, nous dit bonsoir et bienvenue à l'analyse à ce soir d'intérêt. Bonsoir Patrick et bonsoir à tous les téléspectateurs yo, qui appellent nous à l'intérêt qu'on y a là. C'est ça. Alors, par une autre de start, Washington, dans le cadre d'un programme avec un graduation. Et chez l'American Chamber of Commerce, dis-nous qui s'acte pas en termes de développement économique et puis tout versus Haïti. C'était Greater Miami-Dade Chamber of Commerce. Yeah. Greater Miami Chamber of Commerce, qui c'est la chambre de commerce qui est plus grande qui gagne en Sud Floride, là, qui gagne en Floride en général. Et il y a une mission de lobby que fait Washington chaque année. Et il y a toujours invité un commissionnaire pour conduire délégation, ça. Et moi-même, c'est pour la deuxième fois que j'ai un privilège, pour, c'est moi-même qui conduis la délégation ça, là, avec Washington. Et année ça, tant qu'année année dernière, c'était trois priorités qui gagnaient dans l'agenda. C'était premièrement lobby pour dossier immigration, parce que Chambre de commerce là, et en son entier, supportait un bill amnistie. Et pour tout le monde qui n'a pas gagné un papier aux États-Unis. Et donc, il n'y a pas de cas de joindre un meilleur candidat, qui pour un meilleur commissionnaire, qui pour défendre la question de l'immigration, bien entendu, que moi-même. Et donc, deuxième dossier que nous avons adressé dans Washington, c'était dossier transportation. Et parce que Sud Floride a commencé un problème avec un pile trafic, un pile circulation, blocus et tout ça. Donc, ils ont invité moi pour adresser la question de transportation parce que ni au niveau Miami-Dade County, ni au niveau l'État de la Floride, et au niveau association county yo, qui est dans toute Floride, là, un comité qui est responsable de la question de transportation pour la zone. Là. Et troisième dossier, hein, c'était la question de commerce. Commerce local particulièrement et commerce international, ça nous relève international trade. Et donc, c'est vice-chairman et comité et qui prend en considération, qui prend question international trade ou bien commerce international. Là. Donc, il était mené moins parce qu'il y a plusieurs dossiers que l'administration Obama a pu débattre sur question commerce, sur question développement économique, sur question international trade. Donc, moi-même, j'ai aidé à argumenter question ça pour permettre à ce que gagne plus d'efforts qui fait dans le Congrès pour passer dossier international trade là, parce que notamment que gagne plus développement économique, gagne plus business qui fait avec Miami-Dade County, pas bon ici. Alors, sur newsletter, gouverneur, très souvent, moi, lis en pile business qui a été créé dans le sud de Floride, là, en particulier, est-ce que dans le cas d'investisseurs, ça a venu, pas bon ici, pas d'accord, il y a une petite parole qui dit que font un regard tout sur Haïti, quand même, il y a une opportunité qui existe en Haïti, quand même, pour business. Mon cher, il y a un pile regard qui fait sur Haïti, mais cependant, on connaît, malgré tout effort qu'a fait en Haïti, et je suis en Haïti la semaine dernière, je connais pas la DC, ça, avec une délégation qui soutient dans le Congrès, et où est-ce qu'il y a des efforts qui fait en Haïti? Mais cependant, il y a une infrastructure qui a besoin toujours pour que le business descende en Haïti à l'investir. C'est sûr que il y a une démarche qui a fait, c'est sûr que nous-mêmes qui sommes haïtiens, américains, nous-mêmes qui soutenons en Haïti, nous avons plein de monde que nous parlons avec eux pour investir en Haïti. Il y a ça qui allait, il y a ça qui parlait. Mais cependant, nous faisons côté par nous et nous souhaitons que officiels haïtiens en Haïti fassent côté par eux. Et, mais je pense que c'est nous avons une bonne direction jusqu'à présent. C'est ça. En nous faisant écouter sur la visite que tu as effectuée en Haïti avec une délégation et de élus américains qui étaient à fond au regard sur Haïti de réalité. Hein. Qui ça qui frappe ou qui première impression gagne avec délégation, ça leur arrive dans Port-au-Prince. Bon, impression moyen de rencontre ça ou bien de voyage ça avec délégation, hein, c'est le fait que minwe beaucoup plus important que communication y est dans la vie non seulement des personnes mais cependant dans la vie du gouvernement. Et ça qui t'a fait me content c'est que d'accord dit doléances
et moun ki t'a avec moi yo c'était des concerns que m'te gagné et que m'a dû avec toute franchise gouvernement haïtien t'es adressé yo très bien le temps de l'élection ça yo m'pensais que c'est un win-win pour gouvernement haïtien m'croi et délégation peut-être allé avec certaines frustrations mais cependant yo sorti un peu satisfait de conversation avec responsable gouvernement haïtien yo et dans domaine ça vu et type de monde qui était représenté délégation yo et moi pense que c'était gagnant pour administration haïtienne pour gouvernement haïtien gens que nous soutiennent dans délégation. On parlait de satisfaction qui ça qui dit du côté haïtien qui fait que délégation sent-il satisfaite. Bon, et ça qui dit c'est que premièrement on connaît délégation t'a le débat de question élection sérieusement que ouais qui pas fait depuis combien de temps. Et je pense que le moment que vous avez recruté en Haïti était très propice pour le gouvernement haïtien. Parce que avec tout partenaire dans le gouvernement que la délégation a rencontré, et qu'il s'agit du président et Martelly, du premier ministre Lamotte et du parlementaire, et a presque gagné un consensus que l'élection a faite dans la fin d'année qui va venir là. Et l'autre doléance qui était potée, c'est une doléance qui vient pour avec diplomatie et haïtienne nan, et que bon me pensais que li mieux que c'est question diplomatique li mieux que c'est moun qui responsable pour diplomatie yo qui répond question ça yo même quoi là encore sur question diplomatique yo et concern que délégation ont gagné yo moi crois que le gouvernement haïtien répond yo de manière très satisfaisante en quel domaine comme si ouverture qu'a fait à Cuba à Venezuela ou bien comment conseillez-vous et définitivement c'était particulièrement relation Haïti vis-à-vis de Venezuela vis-à-vis de Cuba et bon pratiquement et ce sont des relations qui très anciennes et relations avec Haïti avec et Cuba donc gouvernement haïtien a fait ça tout très 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 clair. Et c'est pas deux bagages qui c'est pas des bagages qui datent de quelques jours ou bien de quelques semaines même de quelques années donc on croit que réponse qui a été en détail sur dossier ça yo clarifier on t'a dit quelques concerns que délégation qui était sorti ici hein, qui sorti dans congrès ont gagné maintenant qui concerne que délégation dans congrès a bien par rapport à relation que Haïti gagne avec notre pays bon et faut qu'on ait gagné et gon tendance dans secteur ici qui gagne problème avec Cuba avec Venezuela donc c'est pas nouvelle bagaille ça voyez donc entité ça yo qui ou bien représentant ça qui concernent qui ont certaine influence dans congrès ont besoin et comment connaît comment pour mieux positionner vis-à-vis d'Haïti et donc bon je pense c'est un honneur pour moi pour me tendre conversation ça parce que moi même toujours voulu que Haïti gagne de très bons amis et dans le Congrès des États-Unis pour assurer que démarche qu'a fait pour bénéfice de Haïti que bénéfice ça et que démarche ça bénéficie Haïti. Donc malgré concern ça a été soulevé tant qu'on dit et moi crois que le gouvernement haïtien a été répondu de façon très satisfaisante. Je pas voulu rentrer dans les détails parce que les choses diplomatiques c'est bagaille qui très élastique. D'ailleurs que monde diplomatie mais en gros en réalité c'est surtout question sur Cuba question sur Venezuela et que délégation a été posée question sur élection question sur investissement étranger question sur l'argent qui rentre en Haïti question sur collection que le gouvernement fait dans transfert qui est en Haïti avec appel téléphonique et dernière question que me soulevait ça sur transfert sur appel téléphonique et sur développement économique c'est plus question que Congress Woman Frederica Wilson te gagne parce qu'il représentait une plus forte partie de communauté haïtienne là et il tendait des questions de communauté haïtienne dans ce dossier ça était vraiment adressé et l'autre question qui te gagne sur question Cuba sur question Venezuela c'est surtout Eliana Wesley-Tenen et puis avec Mario Diaz-Balart qui te posé question ça yo mais comme je dis encore et me pensais que le gouvernement haïtien te font très bon travail dans réponse que le débat sur dossier ça c'est ça mesdames et messieurs sous analyse vous avez suivi cosement avec Jean Mondestime qui c'est commissionnaire Mamédite Carnet du secteur avec une affronte cosement sous une délégation qui était en Haïti qui fait partie de délégation de Edusaha qui était à l'informer davantage de situation en Haïti particulièrement concernant sous orientation diplomatique pouvoir en place en Haïti.
N'ap tourner après la pause, restez branchés.